God, j'ai tellement mal dormi, c'est fou. Je me suis réveillée avec un mal de tête intense. Et là, je dois me préparer parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin. Fait que je vais me préparer, puis on se revoit tout à l'heure. Voilà, alors je porte rien de spécial, juste un chandail à manches longues avec une capuche. Avec un pantalon noir, comme ça. Des poches, des chaussettes, vraiment rien de fancy. Je m'habille toujours de la même façon ces temps-ci, c'est que je peux pas vraiment mettre tout ce que je voudrais, n'est-ce pas? Anyway, see you later. Donc, pour le dîner aujourd'hui, on mange des Domino's. Donc, on a la sauce ranch, les ailes de poulet, buffalo. Anyway, this pasta looks good. Yes. Salut les vivants! Donc, me voici, je vais actuellement laver mes cheveux. Mais ils ont l'air de ça. En plus, ils sont secs, je trouve. Donc, ils sont tellement fournis. Oh my God! Je suis vraiment contente, j'ai à fond d'avoir retrouvé mon épaisseur d'avant. Anyway, il faut que je les lave. J'ai acheté des produits dernièrement. Let me show you. Voilà. J'ai acheté plein de produits to wash my hair. Et j'ai aussi acheté une nouvelle brosse. Donc, j'ai acheté une nouvelle brosse. C'est la Revlon. Je me souviens plus du nom, là. Mais c'est une brosse comme ses cheveux. Donc, c'est vraiment, vraiment nice, comme je l'avais essayé, comme grâce à une de mes amies. Puis comme j'ai vraiment adoré, fait que j'ai dit « I want it ». Je l'ai acheté sur Amazon. Elle ressemble à ça. Alors, j'ai acheté sur Amazon. Elle m'a coûté 46$. Je l'ai montré à ma mère. Elle en veut une aussi. Fait que c'est ça. Donc, yeah! I can't wait to try that! Fait que j'ai montré que voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme produit. Ça, ça ne parle pas avec les cheveux, c'est juste un rasoir. Ça, c'est juste des cotons de maquillage. Bon, alors, premier produit, c'est ça ici. Oups. Celui-là ici, c'est ça. Ça vient de chez Shea Moisture. Et c'est un démêlant ultra hydratant. Ça ressemble à ça. Bon, alors ça dit, peut être utilisé avant ou après le lavage. Ensuite, ça, c'est le renforce et rétabilise, revitalisant sans rinçage. Comme ça. Encore de chez Shea Moisture. Comme ça. Donc, ça aussi, pour les cheveux endommagés. Oh my God, I love this smell. Oh, ouais. Donc, ouais, donc c'est bon pour les cheveux naturels, coiffés à la chaleur, colorés ou traités chimiquement. Voilà, ça ressemble à ça. Dit, le revitalisant boucle et brillance avec protéines de soie. Donc, hydrate et définit. Ça ressemble à ça. Ouais. Donc, ça, c'est à utiliser après le lavage. Définisseur de boucle et autres. Bien sûr, mes shampoings. Donc, ça, c'est le shampoing que j'utilise tout le temps. Donc, c'est le Argan Oil of Morocco. Ça, c'est le shampoing. J'aime vraiment ce shampoing-là. J'aime beaucoup. Et j'utilise aussi le conditionneur. Parce que, bon, là, j'en avais plus. Donc, j'ai acheté tout ça l'autre jour. Et c'est avec ça que je vais laver mes cheveux aujourd'hui.
21h. Alors, on va retirer le cap. Et là, ce que je vais faire, c'est rincer tout ça. Mon shampoing. See you later. Ok. Donc, je viens de terminer de laver mes cheveux. Et là, j'ai enroulé une serviette. Alors, il ressemble à ça après avoir été lavé. Super curly. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer le démêlant ultra hydratant. Je vais en ajouter un peu. C'est comme un peu pommade, genre. La consistance d'une pommade. C'est bon, c'est bon. J'aime bien l'odeur. Et je vais venir utiliser mon super fer. Pourquoi je dis ça? Mon super séchoir que je viens d'acheter de chez Revlon avec Cool, Low and High. Je vais utiliser des élastiques pour sectionner mes cheveux. Je vais aussi utiliser le produit ici. Ça s'appelle Lota Body. C'est au coconut et au chia oil. Et dans le fond, ça sert à préserver les cheveux de la chaleur. Donc, c'est pour les blow dry puis le fer. J'ai les cheveux. Ça a une consistance assez liquide. Donc ça donne ça. Et je vais m'attaquer au reste de ma tête. Ok, donc voilà, ça donne ça, blow dry. Ouh. J'ai chaud maintenant. Ça donne ça, blow dry. Et donc ça donne ça. Ouais, donc j'ai finalement terminé. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est juste de mettre mon huile and then I'm gonna be good.
Donc, je vous présente un cocktail, un de mes cocktails favoris depuis que je suis enceinte, qui est totalement virgin et totalement délicieux. Donc, pour le cocktail, on va avoir besoin de fraises. On va aussi avoir besoin de sirop de grenadilla. On va avoir besoin d'un verre, bien sûr, pour shake. Moi, j'ai pas de shaker, fait que j'ai pris ça. Et bien sûr, de ginger ale. Et pour avoir ce extra ice, on a besoin de la glace. Donc, on va commencer par mettre les cubes de glace dans le verre ou le shaker. Comme ça. Ensuite, on va ajouter des fraises qu'on va venir couper en petits morceaux. Mais préalablement, il faut bien les laver parce que les fraises, souvent, ils ont des petites cochonneries dessus. Donc, on les lave bien comme il faut. Par la suite, on vient les ajouter dans le verre. Et ensuite, on va venir mettre du sirop de grenadilla, bien sûr. Ensuite, on va venir ajouter le ginger ale. Oh yeah, it's gonna be super good. Et là, c'est le moment de shake, shake, shake. Shake, shake, shake.